Bonjour mes chers amis les béliers, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de septembre 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui comme d'habitude. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant, le signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du bélier. Alors mes amis les béliers, on va démarrer notre tirage. On va déjà demander trois cartes pour commencer. Et puis, évidemment, je vais travailler avec plusieurs supports. Vous allez voir, on va un peu creuser aussi au niveau du sentimental. Et à la fin de la vidéo, vous aurez les trois tas pour vous livrer les messages personnalisés, les prédictions personnalisées. Alors aussi, il ne faut pas oublier, vous avez le taroscope du mois, comme d'habitude. Donc, le taroscope du mois de septembre qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes du zodiaque. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, surtout si vous avez envie d'avoir des prédictions sur tous les domaines de vie. Alors, on a des cartes intéressantes. On a déjà l'arcane majeur qui ressort avec le chiffre 11. Le chiffre 11 sera d'une particularité importante durant cette période-ci pour vous. C'est un chiffre pour moi que j'associe aux rencontres d'âmes, à tout ce qui est union protégée, union spirituelle, peut-être aussi des fois évidemment même un lien amical si jamais cet ami-là représente par exemple votre âme sœur, hein, ce type de choses, parce que comme vous le savez bien peut-être, l'énergie de l'âme sœur, c'est pas uniquement dans le contexte sentimental relationnel. On peut voir un membre de la famille qui est une âme sœur, on peut avoir aussi un ami, un collègue, voilà, quelqu'un de l'entourage qui est tout simplement une âme sœur. Donc avec cette carte, surtout, en plus 1, ça fait 2, c'est l'union, c'est la réunion, c'est la réconciliation, c'est les contrats, voilà, c'est les associations aussi, les partenariats, donc tout ça sera certainement amplifié et surtout peut-être aussi encouragé par les énergies pour vous prochainement, mes chers amis les béliers. Donc ici, parlons déjà de l'énergie de la carte en particulier. Bon, là, on travaille bien avec déjà l'archange Ariel, en cas où, mes amis les béliers, il y en a parmi vous, peut-être des personnes aussi qui travaille avec les énergies des archanges. Donc là, ici, on a bien Ariel qui est présent avec cette carte. Donc cette carte, ici, elle va nous parler d'une force intérieure, donc la force aussi tranquille, la motivation, la détermination, la volonté, des fois aussi un peu la force du mental pour pouvoir surmonter les défis, surmonter les difficultés, persévérer dans vos quêtes, dans vos aventures, dans vos projets. On vous dit bien aussi de... Peut-être, il est important aussi de savoir comment et quand est-ce qu'il faut se méfier des jugements que vous pouvez recevoir, surtout des préjugés, peut-être dans certains cas, de la part de votre entourage. Donc ici, vraiment, encore une fois, c'est la force de conviction. Donc n'hésitez pas vraiment à vous connecter à cette énergie que vous avez déjà en vous. Parce que évidemment, cette carte, elle vous dit bien que vous avez bien cette énergie en vous. Peut-être que vous serez testé justement à ce niveau-là. Peut-être que voilà, vous allez avoir une période dans laquelle vous allez sentir que vous êtes sujet à tout ce qui est critique, à tout ce qui est jugement, préjugé, etc. Donc là, n'hésitez pas. N'hésitez pas tout simplement, voilà, à quelque part vous connecter à cette force que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Alors avec cette carte-là, on parle bien de l'importance du pardon et de la compassion. Peut-être que vous serez face à une situation dans laquelle vous allez devoir pardonner à quelqu'un, peut-être aussi pardonner à vous-même, peut-être également voilà, tester un peu votre compassion vis-à-vis des autres, vis-à-vis peut-être de certaines personnes justement dans votre entourage, que ce soit des gens que vous connaissez ou tout simplement aussi des fois des gens que vous ne connaissez pas, d'accord? Alors avec cette carte, avec le 3, pour moi c'est un chiffre qui parle bien de tout ce qui est concrétisation. Donc là, j'ai plus les choses dans la tête en tant qu'idée, maintenant vraiment je peux passer en action. Je peux prendre un peu les choses en forme et je peux déjà lancer quelque chose en mouvement. Mais c'est une carte aussi en particulier, là, elle parle bien de l'énergie de l'abondance. Donc les choses semblent très bien aller dans vos vies ou vont pouvoir aller aussi vers une bonne direction prochainement. Je parle bien de l'abondance. Pourquoi avec cette carte, ça n'a pas vraiment un lien avec l'aspect pécunier, richesse matérielle, mais vraiment l'abondance dans le sens où on a des opportunités. On a des choses vraiment qui se profilent à l'horizon. Donc la porte, elle n'est plus fermée. On a vraiment, voire même plusieurs portes à exploiter. Donc ici, si par exemple on était récemment face à une impasse, ça ne sera plus le cas. Certainement, vous allez aussi éventuellement, pourquoi pas, avoir la position de choisir, tellement vous allez avoir des opportunités et des possibilités devant vous. Donc ici, on est vraiment vers une notion infinie de possibilités. Alors aussi, on vous dit bien de faire cependant preuve de patience. D'accord? Donc vraiment, c'est ça aussi le conseil qu'on vous
vous donne avec cette carte, c'est que oui, on a des opportunités, oui, on a des possibilités. Maintenant, il ne faut pas précipiter les choses, il ne faut pas sauter tout de suite sur peut-être la première offre que vous allez recevoir, parce que certainement, vous allez en avoir plusieurs et peut-être vous allez être intéressé par certainement d'autres opportunités, voilà, hein, qui peuvent être aussi beaucoup plus intéressantes pour vous. On vous dit bien également d'élaborer des projets à long terme. On vise loin avec cette énergie, on ne vise pas uniquement sur le court terme, vraiment, voilà. Et d'ailleurs aussi, osez vous-même, mes amis les béliers, vous projeter dans le long terme. Hein, peut-être aujourd'hui, vous êtes dans un point dans votre relation, là, vous pouvez parler de projets, voilà, sur le long terme, que ce soit pour avoir des enfants, si vous êtes à l'âge, peut-être vous investir dans quelque chose, acheter quelque chose, peut-être que vous vous préparez justement pour votre retraite, etc. Surtout ici, on a une carte qui est extrêmement intéressante. Pareil, donc on a la reine, la fameuse reine d'eau, qui parle bien toujours, voilà, des sentiments, de la tendresse aussi, d'une personne en général qui est compréhensive, une personne patiente, une personne aimante, une personne aussi qui a des sentiments, qui a aussi de la compassion pour les autres. Alors ça peut être vous carrément, mes amis les béliers, comme ça peut être aussi une personne autour de vous, possiblement quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer, si jamais vous êtes aujourd'hui dans des démarches de rencontre. Alors on vous dit bien que vos relations vont atteindre un niveau supérieur, un nouveau stade. Donc on évolue. D'ailleurs, peut-être vous allez vous rendre compte que vos sentiments sont en train d'évoluer, sont en train d'être beaucoup plus profonds vis-à-vis de quelqu'un en particulier dans votre vie. Ou peut-être d'ailleurs, c'est possible que vous allez recevoir une déclaration. D'accord ? Avec cette énergie-là, on peut finalement se déclarer. On vous dit aussi de vous fier à votre intuition. C'est très, très, très important d'être connecté à son intuition, connecté aussi à sa boussole intérieure qui est vraiment notre guide. Hein. Déjà, on me demande cette question souvent. Je prends l'occasion pour répondre à cette question. On est tous nés avec notre intuition. Peu importe si on est une femme ou un homme, on a tous le côté intuitif. La seule différence, c'est qu'on a des gens qui sont beaucoup plus connectés, qui sont beaucoup plus ouverts à recevoir des messages de l'intuition. Et on a d'autres qui bloquent eux-mêmes leur intuition parce que, bon, voilà, hein, pour des raisons multiples, hein, peut-être des blessures, peut-être des façons de voir certaines cultures aussi dans certains cas, voilà. Mais là, vraiment, on a tous cette intuition et à tout moment, on peut se connecter vraiment à cette force. On vous dit aussi avec cette carte, prenez bien soin de vous et aussi prenez bien soin des autres, d'accord? Alors, on va passer maintenant à un tirage avec le 77. On va demander si on a d'autres informations, d'autres messages à vous livrer. Alors, je ne vais pas viser un domaine en particulier. Après, on va faire de toute manière notre tirage sentimental. Mais on va voir ce que ça va donner du coup avec cet oracle. Allez, c'est parti. Alors, les béliers aussi, pour toute demande évidemment de consultation privée, comme d'habitude, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez cliquer sur le lien et avoir accès direct au site. Alors, donc on a l'équilibre. Ah oui, on a déjà ici un côté financier qui ressort. On a des portes qui s'ouvrent, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure. Donc, écoutez, avec ces cartes-là, je peux bien vous dire ici qu'on est face à un déblocage. Donc, des solutions qui arrivent, des opportunités. Alors là, ça peut concerner le bien-être général, mais aussi, ça peut concerner évidemment une situation financière matérielle. Alors, peut-être qu'on a des opportunités pour acheter quelque chose si vous êtes à la recherche. Par exemple, je prends voilà, la situation d'achat de maison, peut-être voiture, tout ce que vous voulez, tout simplement. Mais aussi, ça peut être l'idée aussi de vente. Si jamais vous avez un bien en vente depuis un moment, fort probable prochainement, vous allez avoir peut-être une offre qui va vous intéresser. D'accord ? On a bien ici de la possibilité, voilà, financière, une possibilité. Déjà, regardez bien la carte ici qui ancre tout votre tirage. On a la carte des contrats, des signatures. Donc, on a bien vraiment quelque chose qui peut être officialisé, qui peut être signé par rapport à un investissement, un achat, une vente. Peut-être aussi des légalisations, séparation de biens dans certains cas. Dans d'autres cas aussi, parce qu'on a bien le lien ici avec la loi, ça peut être par exemple un procès, une succession, un héritage, ce type de choses, hein, d'accord ? Alors, on va voir ici, que, déjà on a bien carrément un bien,
un bien ici. Donc, peut-être on a certains amis béliers qui vont vraiment peut-être acheter quelque chose qui aura de l'importance, que ce soit des fois une voiture, mais aussi ça peut être une maison, un appartement, ça peut être n'importe quel accomplissement financier que vous pouvez accomplir et certainement qui sera sujet de fierté, d'accord? On a bien aussi la carte de l'amour qui ressort, mais c'est une carte également qui parle bien du bonheur, qui parle bien aussi d'un état émotionnel équilibré et positif. Ça peut être aussi le cas, tout compte fait, qu'on a un couple ici qui s'officialise, une relation qui s'officialise. J'ai parlé aussi de l'amour tout à l'heure. Ça peut être effectivement le cas là où, par exemple, on décide à emménager ensemble, faire des projets ensemble, évoluer ensemble. Peut-être après déjà une phase de questionnement et de doute. Au début, c'est tout à fait normal quand on est dans une relation. Et on évolue, on commence aussi à se poser des questions. Bon, est-ce que c'est le moment aujourd'hui d'avancer? Est-ce que c'est le moment de considérer telle et telle chose? Et je pense que prochainement, vraiment, vous allez avoir vos réponses. Et d'après ce que je vois, pour la majorité, on peut s'attendre à une belle évolution, étant donné ici qu'on a vraiment des concrétisations, des signatures. Dans certains cas, ça peut être aussi, pourquoi pas, des compromis, des réconciliations possibles hein, pour se mettre d'accord sur certaines choses. Pour les personnes aussi qui sont à la recherche d'un emploi ou qui ont envie d'évoluer côté carrière, peut-être que vous êtes dans une reconversion ou pas, peu importe, on a bien aussi une opportunité et d'après ce que je vois, c'est une opportunité qui va vous correspondre et qui va aussi vous donner le sentiment de satisfaction, d'épanouissement, du bonheur. Donc peut-être que vous allez changer de carrière qui ne vous plaît pas vers une carrière ou une activité ou un job qui va vous satisfaire et ici avec la carte de la signature, on peut s'attendre à des contrats, on peut s'attendre vraiment à des confirmations, peut-être un email que vous allez pouvoir recevoir qui va vous confirmer peut-être le poste, etc., etc. Mais on a bien l'énergie d'une officialisation importante. Alors, on va prendre ici notre tirage sentimental. Non, je ne vais pas travailler avec ça. Attendez, je vais prendre un autre support. Alors, amis Bélier, ascendant Bélier et Lune en Bélier, évidemment, Vénus en Bélier. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Donc ici, on me montre bien un déclic. Peut-être aussi un déclic dans une relation qui a pu démarrer au début en tant que relation soi-disant légère. D'accord? Donc peut-être que là, on va avoir comme une forme de déclic, un moment dans lequel on va voir quand même un peu de clarté sur l'avenir de la relation, dans quelle direction on a envie d'aller. Peut-être que pour le moment, les choses n'ont pas été claires, mais je pense que ça va le devenir dans l'avenir proche. Allez, c'est parti, les béliers. Alors, dans le, par rapport à la partie sentimentale, je vis souvent sur l'avenir proche. Donc, pas uniquement dans ces deux semaines à venir, mais vraiment dans les mois à venir, d'ici 3-4 mois. D'accord? Donc, c'est important aussi, des fois, de revenir justement sur ces vidéos pour voir quand même un peu l'évolution. Donc, c'est pas parce que je mets le titre, voilà, que c'est une vidéo hebdomadaire pour la première moitié du mois de septembre que à partir du 16 septembre cette vidéo n'est plus valable. C'est pas le cas, vous le savez bien, c'est pas comme ça que l'énergie fonctionne. Voilà, les énergies sont fluides et pour moi si vous revenez sur cette vidéo dans un mois ou deux parce que bon voilà, vous sentez le besoin de le faire, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Allez, c'est parti, on a le destin ici qui ressort, la chance. Alors, je vais devoir recouvrir encore une fois. Alors. Ok. J'ai encore l'énergie masculine qui ressort ici dans ce tirage. Dans le dos, on a l'énergie de la maison qui peut montrer vraiment la maison, le foyer, la famille, comme aussi ça peut montrer la possibilité de vie commune avec quelqu'un. Là, vraiment, ce que je ressens surtout ici avec ce tirage, et j'ai bien fait de pouvoir recouvrir, je ressens bien qu'au bout d'un moment, il y a eu comme une phase d'une grande confusion par rapport à la nature du lien, d'un lien que vous avez avec quelqu'un en particulier. Alors, soit c'est une personne que vous venez de rencontrer, soit quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation triangulaire ou plus, ou tout simplement une personne avec qui déjà vous êtes depuis un certain temps. Je remarque bien, il y a eu des questions autour peut-être de la nature de votre lien. Donc, peut-être que vous demandez, est-ce que c'est un lien karmique? Est-ce que c'est un lien flamme jumelle? Est-ce que c'est un lien particulier? Donc je pense que vraiment tout le temps il y a eu des questions, que ce soit de votre part mais aussi pourquoi pas à la part de votre partenaire. On se demande tout le temps
Bah, pourquoi on s'est rencontré, pourquoi on vit ce qu'on vit, pourquoi cette personne elle est rentrée dans ma vie à tel et tel moment, pourquoi je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui avec cette personne, pourquoi par exemple malgré le fait que c'est une personne que j'aime, je sens quand même du manque, ou je sens quand même quelque chose par exemple que j'arrive pas à comprendre, que j'arrive pas à combler. Bon, peu importe les questions que vous allez pouvoir vous poser, mais c'est clair qu'on se demande d'une manière, je pense, peut-être aujourd'hui beaucoup plus récurrente, des questions sur la nature, la profondeur du lien et peut-être aussi, voilà, la raison derrière laquelle vous deux vous êtes rencontrés. Et je pense que prochainement, vous allez avoir un peu plus de réponses, peut-être un peu plus de clarté, parce que je pense ici, il y a quelque chose qui va se passer certainement dans votre relation, qui va vous permettre ici de voir clairement, à la limite, comment vous voulez évoluer avec cette personne. Je m'explique. Peut-être on a eu une relation, voilà, basé sur l'amour, pourquoi pas, mais c'était une relation quand même un peu compliquée, intense. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu beaucoup de tests. Cette relation a été testée à plusieurs reprises. Voilà, c'était vraiment compliqué. À chaque fois, on dirait qu'il y a un truc qui se passe. Et donc, même si voilà, vous vous aimez, même si vous voulez être ensemble, mais ça n'empêche, on a dû quand même se poser des questions au bout d'un moment. Où est-ce qu'on va, hein? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que je suis vraiment censée être avec cette personne? Est-ce que cette personne, c'est mon destin? D'accord? Mais encore une fois, il y a quelque chose qui va se passer, un événement clé, quelque chose qui va se passer qu'on ne voit pas pour le moment. Voilà, je pense que vous n'êtes pas non plus censé comprendre que, comment ça doit fonctionner, étant donné ici qu'on a la notion de quelque chose de caché, quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qu'on n'est pas censé quand même le voir exactement, voilà, tel qu'il est. J'ai l'impression ici, on me montre bien qu'il y a un événement plutôt en coulisses, quelque chose qui se prépare en coulisses. Et je pense ici, on me dit bien, étant donné qu'on a ces cartes-là, donc c'est quelque chose extrêmement positif. On a la chance, on a la clé, on a la progression vers l'avant. Dans certains cas, je dis bien dans certains cas, ça peut être une grossesse qui s'annonce, qui va faire avancer votre relation vers une nouvelle dimension. Ça peut être vraiment l'idée ici que quelque chose qui arrive peut-être dans la vie privée de quelqu'un, que ce soit vous, votre partenaire, qui va vraiment vous donner le go, la clarté, peut-être le feu vert pour pouvoir avancer après possiblement une période d'hésitation vis-à-vis de l'engagement. Parce qu'on a bien ici quelqu'un peut-être qui a eu vraiment du mal à s'engager au bout d'un moment. Encore une fois, soit vous, soit votre partenaire ou tout simplement les deux. Je pense que c'est plutôt l'énergie masculine dans le couple, c'est elle qui a eu le plus de problèmes. Hein, c'est à vous de voir c'est qui c'est. Mais je pense ici, surtout avec les cartes que j'ai là, il y aura la possibilité de réajuster les choses, avancer, peut-être aussi guérir la relation par rapport à certaines problématiques, certaines blessures, et peut-être aussi avancer que ce soit dans l'abondance ou tout simplement hein, ici par rapport à une direction, que ce soit familiale ou autre, si jamais aujourd'hui vous avez envie de construire votre propre famille avec cette même personne. Mais je pense que vous allez avoir des réponses, surtout ici des choses qui vont se passer, qui vont vous rassurer, parce que vous vous posez aujourd'hui des questions parce que vous avez envie d'être rassuré, tout simplement. Allez, on va faire notre atta. Alors, vous pouvez choisir entre l'état, comme vous pouvez tout regarder, parce que bon, voilà, des fois, ça arrive aussi qu'on a plusieurs messages. Hein. Alors, le premier, le deuxième, le troisième. Je vais commencer par là, donc ici, le premier état. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On a des émotions, tout simplement. Alors, une période aussi dans laquelle on a les émotions, peut-être un accessoire émotionnel, ou si on a une période sensible, une période intuitive. Certainement, le plus ici, le côté plus positif avec ces cartes, c'est que c'est une période dans laquelle vraiment on peut recevoir beaucoup de messages intuitifs, beaucoup de messages médiumniques aussi par les personnes qui sont intéressées par ça. Mais là, du coup, voilà, on a les émotions, peut-être tout simplement essayer de vous méditer, de méditer, essayer de travailler sur l'ancrage pour pouvoir équilibrer les énergies et ne pas non plus partir dans tous les sens parce que avec ces énergies-là, comme je viens de vous l'annoncer, on peut prédire quand même un ascenseur émotionnel. Allez, avec le deuxième tas. Ben là, on parle d'une personne sincère, une personne honnête. On peut parler d'une personne assermentée dans certains cas. On peut être aussi sur un avocat. Donc ici, on a une énergie féminine en l'occurrence. Et non, on peut être vraiment sur un avocat, juge, etc. Médecin aussi dans certains cas. Mais si jamais vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, ben là, on vous parle bien d'une personne noble, d'une personne correcte, d'une personne juste et de quelqu'un certainement d'honnête et de sincère. Allez, le troisième tas.
C'est marrant, cette combinaison de cartes, elle est sortie aussi pour un autre signe. Je ne me rappelle pas de qui il s'agit. Mais là, du coup, on a des rencontres, on a aussi des événements, on a aussi des sorties. Donc, ça va bouger énormément au niveau social, au niveau relationnel. Vous allez apprendre à connaître aussi du monde, certainement autour de vous. Mais attendez-vous peut-être aussi à avoir des déplacements, que ce soit quelque chose de prévu ou pas. Alors aussi, à moins que vraiment vous partez aussi en vacances hein, prochainement, ça peut nous parler de ça également. Donc, voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.